Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour le deuxième épisode de mon let's play sur Clive Barker's Undying. Alors dans l'épisode précédent, nous avions fait la connaissance de Jeremiah Covenant et avons eu l'occasion d'apercevoir deux des membres de sa famille, je pense. Que le loup-garou, enfin la sorte de truc en robe de mariée et le fantôme rouge sont des membres de sa famille, on croit les reconnaître sur le tableau de famille qu'on a eu l'occasion d'apercevoir dans une cinématique. Et donc, ensuite nous avions été attaqués par les hurleurs, et ensuite Jérémia nous avait demandé d'enquêter sur une malédiction familiale le lendemain matin, donc là on va commencer l'enquête. Et donc, on va commencer par... Avez-vous remarqué des événements étranges? La chambre de Lisbeth a été forcée la nuit dernière pendant l'incident. Où est sa chambre? Au bout du hall. C'est une pagaille complète. Et voilà, on va commencer par fouiller la chambre de Lisbeth qui a été fouillée. Donc une entrée de journal, le majordome m'a confié que quelqu'un s'était introduit dans la chambre de Lisbeth. Je vais tâcher d'en savoir plus. Ok, bon, donc on reprend. Hop. Et on se dirige vers la chambre. Sympa la déco. Que savez-vous sur Lisbeth? Eh bien, c'était une ravissante jeune fille, quoique de tempérament assez fougueux. Elle pouvait être placide et calme, puis soudain, elle se mettait à injurier et griffer les gens comme un animal. Oh, c'est triste que sa mère soit morte en lui donnant le jour. Étonne? Oui, vraiment. Après la mort de sa mère, j'ai élevé Lisbeth comme ma fille. Puis cette maladie a commencé à la ronger. Je l'ai soignée quand elle était malade et je l'ai vue s'éteindre petit à petit. Oh, quelle tristesse! Elle est morte si jeune. Elle repose maintenant avec sa pauvre mère dans le tombeau familial. Le gardien affirme l'avoir vue récemment. Voir un fantôme n'est jamais un bon présage. Où puis-je trouver ce gardien? Il est dans le jardin. On y accède par la cuisine. Votre savoir est très apprécié. Merci. Désolé, je croyais que c'était fini. Comme j'allais dire, étonnant qu'elle ait fini en loup-garou, dites donc. Avec des crises de violence passagère. Et donc, on va fouiller la chambre avec la pierre de Gelziabar et le l'antévision pour voir s'il y a quelque chose à observer. Et donc, tiens, on a un journal. Et, donc on va tout lire tout de suite. Donc, mort d'Evaline. J'ai parlé de Lisbeth avec une femme de chambre. Elle m'a raconté qu'Evaline, sa mère, était morte en la mettant au monde. Elle a été élevée par la gouvernante. Non, par la femme de chambre qu'on a interrogée. Enfin bon, détail. Elle me l'a décrite comme une belle jeune fille impulsive et violente qui aurait succombé à une longue maladie qui l'aurait défigurée. Quelle ironie du sort pour quelqu'un d'une telle beauté. Mourir d'une maladie aussi horrible anéantit tout sentiment de vanité. La femme de chambre m'a confié que le gardien prétendait avoir vu Lisbeth vivante. Ayant vu Lisbeth de mes propres yeux, je ne peux que croire le récit effrayant de la femme de chambre. Je vais descendre à la cuisine et essayer de me rendre dans les jardins. Donc voilà, il semblerait qu'en fait ce soit vraiment Lisbeth qu'on a aperçue hier soir, la sorte de loup-garou en robe de mariée. La nuit... Lorsque je n'arrive pas à dormir, je regarde le monastère depuis mon lit. Les reflets de l'eau... Oui, enfin, je suis en train... Poésie de Lisbeth, donc... La nuit, lorsque je n'arrive pas à dormir, je regarde le monastère depuis mon lit. Le reflet de l'eau qui nous sépare ondule sur les murs de ma chambre et l'emplissent de vagues de lune. Lorsque tout est calme et que le vent ne souffle pas, j'entends les moines chanter. Leurs prières glissent sur l'eau et parviennent à mes oreilles telle une berceuse. Je suis alors envahi d'une paix exquise. Et je ne peux m'empêcher de me demander comment quelque chose qui me rassure autant peut en même temps me hanter. Lorsque minuit arrive, les chants s'arrêtent, les lumières du monastère s'éteignent à l'exception d'une faible lueur à l'entrée des catacombes. Elle me permet de distinguer les ombres des moines qui se détachent à l'entrée. Et je commence à sentir la terreur insidieuse qui m'envahit comme si l'île avait une emprise sur moi. J'ai entendu les bribes d'une histoire racontée à demi-mot. Jadis, les moines seraient morts dans d'affreuses souffrances en ces lieux. Leurs âmes torturées furent enfermées dans les catacombes et on dit que deux frères montent la garde à l'entrée chaque nuit depuis lors. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi. Qu'attendent-ils ou contre quel danger montent-ils la garde? Sont-ils retenus prisonniers sur cette île par cette même force inconnue qui m'envahit? Le Seigneur se conduit parfois d'une façon bien étrange. Comment un Dieu si juste peut-il laisser ses fidèles mourir dans sa propre église? Une autre force opère certainement parmi nous, une force maléfique. Un Dieu si aimant ne permettrait jamais tant de souffrance et d'agonie. Est-ce cette force qui me ronge la nuit et trouble mes rêves? L'eau suffit-elle à assurer ma sécurité? J'aimerais pour une nuit seulement aller m'étendre dans l'herbe auprès des catacombes, je pourrais alors échapper à ces rêves qui me hantent. Je dois mettre un terme à ces visions nocturnes et découvrir la vérité. Lisbeth. Ok, donc visiblement, il y a un tableau qu'on peut qui réagira à l'antévision. Ok, donc effectivement, ça confirme ce qu'on a vu, le loup-garou serait bien Lisbeth. Et donc, bah, je vois pas ce qu'on a à faire de plus ici, donc on va continuer l'exploration. Hop, ce couloir. Il faut la clé. Dommage. Et par là, merde. Ah bah, c'est bon. Et donc on va se refaire attaquer par encore. Oh. J'ai bouffé quoi aujourd'hui? Ah, je me disais aussi. Wow, oh mon dieu. Aïe. Bon, donc. Le château se refait attaquer, bah du coup bah on repasse en phase d'action comme hier en fait. J'ai l'impression que c'est ça souvent le fonctionnement du jeu, une petite phase où on apprend du scénario, puis ensuite une petite phase d'action, une phase où on apprend du scénario, une phase d'action. Oh là. Mon dieu. J'en étais sûr qu'il y avait un truc qui allait me tomber sur le coin du nez. Surtout ces trucs-là, ils ont une tendance particulière pour tomber du plafond, genre derrière les poteaux. Bref, arriver d'un peu n'importe où. Donc on va finir l'exploration, puis ensuite... J'ai cru voir quelque chose. Ils sont horribles en fait, ceux-là. Et donc... Hop. Et hop. Donc on a deux poèmes et des monstres. Et un journal, et donc deux entrées de journal, des monstres, et c'est tout. Donc on va lire tout de suite les entrées de journal. Note de Joseph. Quel malheur qu'Evaline soit morte en mettant Lisbeth au monde. Elle aurait tant aimé voir les enfants grandir. Je suis certain qu'elle aurait su les remettre sur le droit chemin. Une mère sait toujours apaiser ses enfants. Je ne peux hélas pas leur apporter cette consolation. De plus, je ne comprends pas ce qui a provoqué un tel comportement chez eux récemment. J'ai reçu une lettre du pensionnat d'Ambrose aujourd'hui, il a été renvoyé. Je ne sais comment m'y prendre avec ce garçon, les enfants se comportent tous si mal que je n'ai pas d'autre choix que de les faire rentrer à la maison. Je leur trouverai peut-être un précepteur, j'espère qu'une fois qu'ils seront près de moi, tout rentrera dans l'ordre. Les 6 dernières semaines ont été un enfer. Le précepteur a échoué, en fait le pauvre homme a fait ses valises et est parti en pleine nuit. Ambrose n'accepte aucune forme de discipline et il semble que les autres prennent le même chemin que lui. La seule chose que je puisse faire, c'est jouer avec eux en respectant leur centre d'intérêt. J'ai remarqué que chacun des enfants, à sa manière, se montre très curieux. Il est étrange de voir une telle curiosité à un si jeune âge, mais comment pourrais-je gâcher le seul moment de paix que je peux trouver auprès d'eux? Je sais enfin ce qui est arrivé aux enfants. Jérémia est venu me trouver l'autre jour. Il était effrayé et en pleurs. Il y a quelques années, les enfants se sont introduits dans la bibliothèque et ont emprunté un de mes ouvrages de recherche. Comment aurais-je pu deviner qu'un enfant de 12 ans s'intéresserait à ces livres poussiéreux? J'ignore quel passage ils ont lu, mais je sais maintenant que c'est ce qui a provoqué cette situation, leur comportement et leurs excentricités. Jérémia pense qu'ils ont réveillé les esprits de l'île. J'espère pouvoir découvrir ce que les enfants ont fait. Il se peut qu'il y ait une solution. Malgré toutes mes recherches, je ne comprends toujours pas ce que Jérémia et les enfants ont bien pu faire. Aucune des incantations des livres n'a pu provoquer ce qui est arrivé. L'évocation de démons ou d'esprits ne peut avoir des conséquences si longues et si néfastes. Je me suis même rendu au menhir. Je n'y ai trouvé aucun indice sur ce qui s'est passé. Si seulement il m'en avait parlé au moment où c'est arrivé, j'aurais peut-être pu intervenir, mais il est trop tard. Les indices sont depuis longtemps volés. J'ai découvert que les pierres constituent une sorte de foyer. Ce n'est peut-être pas un hasard si tant de gens sont attirés et effrayés par cette terre. Il semble que ma propre fascination pour les menhirs se soit retournée contre mes enfants. Joseph. Donc ça c'est le père de Jérémia, sûrement qui... Donc le père de Jérémia était aussi un fasciné d'occultisme. Ok. Eh ben dis donc, c'est pas pour dire, mais ça va faire le deuxième jeu où on trouve des livres d'occultisme, un père fasciné par l'occultisme et avec une bibliothèque fort bien fournie, on va dire. Avec Alone in the Dark où c'était... Comment il s'appelait déjà? Ah oui, comment il s'appelait le père de Jérémia Hartwood? Je sais plus. Ah bah tiens, il s'appelait aussi Jérémia, avouez que ça ressemble, non? Comme quoi, les enfants victimes des recherches de leurs parents s'appellent toujours Jérémie ou Jérémia. Un nom en Jérém. Mais bon, coïncidence sûrement. Ma très chère mère, la situation n'est pas brillante ici. Joseph, mon mari, qui m'a jadis charmé par sa douceur et ses sourires, est désormais distant et reclus. Je me suis rendu compte que lorsque deux personnes se rencontrent, elles ne prennent pas garde à certains défauts. Le cœur aide à pardonner. À cause de son étrange obsession, Joseph passe toutes ses nuits enfermé dans la bibliothèque. Nous ne passons que très peu de temps ensemble et l'exercice du devoir conjugal est devenu presque inexistant. Je me sens désemparé, surtout lorsqu'il me fait part de son désir de voir des enfants gambader autour du manoir. Que dois-je faire? Je passe le plus clair de mon temps, seul, dans la serre, à penser à ma douce jeunesse et au riche et galant Peter Roacana qui s'occuperait patiemment de moi et me couvrirait de précieux cadeaux comme ce collier de perles que j'aime tant. Tout aurait été si différent si j'avais suivi le chemin qui m'était tracé. Je me sens tellement stupide de m'être marié avec Joseph Covenant. Ces instants privilégiés sont ceux qu'il passe dans la bibliothèque avec pour seul compagnon des livres qui ont deux fois mon âge. Visiblement, mon visage ne suffit pas à capter son attention. Ma très chère mère, que me conseillez-vous de faire? J'attends votre réponse. J'espère que cette lettre vous trouvera, vous et père, en très bonne santé. Dites à père de ne pas s'inquiéter à cause de sa petite fille. J'ai quitté le Nîmes et je serai toujours présente dans son cœur. Avec tout mon amour, Evaline. Et donc, on reprend la partie. Donc, voilà, donc le souhait d'Evaline a été rempli, visiblement, parce qu'on voit, elle a eu des enfants. Bon. C'est dommage qu'elle ait dû sacrifier sa vie pour avec Lisbeth. Mais quand même, c'est... Mon dieu. Ah, en fait, dans les escaliers, ils peuvent pas sauter comme des cabris. Il y a un petit bug de collision qui se fait. Je sais, c'est dégoûtant de profiter des bugs de collision, mais bon, vu comment ils bondissent cela, franchement, je suis prêt à prendre le moindre avantage que je peux avoir. Et donc, on va essayer de retourner dans la zone d'hier, peut-être. Bloqué. Fermé, dommage. Donc, cette porte. Ça ne bouge dommage. Pas. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ouvre la clé de la servante, oui. Mais qu'est-ce qu'elle ouvre, la clé de la servante? J'aimerais savoir ça, j'avoue. Encore lui? Coincé. Bon bah tant pis, on verra bien plus tard, hein, ça doit être important en plus. Et donc, on va essayer la dernière porte. Ah bah tiens. Oui, si vous vous demandez pourquoi je tire, en fait, c'est que je sais pas, j'ai pas réussi à chaque coup, j'oublie le bouton pour recharger. Coincé. Parce que le bouton R, là, me sert à sélectionner le pouvoir que je vais utiliser, donc le bouton E à sélectionner l'arme. Donc je sais plus quel bouton j'ai mis pour recharger, donc du coup, bah, je tire. Je vide mon chargeur, comme ça il recharge après. C'est idiot, hein. Ça ne bouge pas. Ok, bon bah au moins ça c'est fait. Hop, trousse de soins. Bon bah là où je pense qu'on, vu la tête, je pense qu'on approche des cuisines et donc on doit approcher aussi du jardin où on devait se rendre. Donc je me suis... Coincé. On fouille un peu pour voir s'il n'y a pas de trousse de soins. Après tout, ça, je pense que au début il y en a pas. Ah bah tiens, j'allais en rater une. Au début, pendant ce temps, j'ai pas l'impression qu'il y en ait trop besoin, quoique c'est vrai qu'ils font quand même, ils font quand même mal, ces monstres. C'est bien la porte qui mène au jardin? Oui, mais je n'ai pas la clé. Je l'ai donnée à la servante. Je crois qu'elle nettoie la chambre de R. Keisinger aujourd'hui. Elle se trouve dans l'aile est du manoir. Merci. J'apprécie votre aide. Bloqué. Et donc, la porte du manoir est fermée. La cuisinière dit que la femme de chambre est la seule à en avoir la clé. Elle nettoie actuellement la chambre de Keisinger dans l'aile est. Keisinger, ce nom doit paraître assez étrange à la servante, mais en ce qui me concerne, c'est la présence d'Otto Keisinger dans cette maison que je trouve très étrange. Qu'est-ce que ce monstre est venu chercher chez mon ami? Ce dont je suis sûr, c'est que lorsque je croiserai son chemin, je ne vais pas me contenter de l'insulter. Je me demande seulement comment il s'y prendra pour répondre à mes questions lorsque mes mains lui serreront la gorge. Otto a fait plus pour entacher ma réputation que je ne peux m'en souvenir. Je suis convaincu que s'il découvre que je suis arrivé au domaine des Covenants, il tentera par tous les moyens de m'empêcher d'éclaircir les mystères qui semblent affliger cette famille et mon très cher ami. Et donc... Keisinger, attendez, ça fait un petit bout de temps que j'avais tourné la première partie, donc ok, Keisinger. Donc Keisinger, c'est quelqu'un qui avait disparu quand on avait été ok, donc oui, parce que vous vous souvenez, au début on avait compris qu'en fait lors d'une crise de démence passagère, enfin peut-être pas de démence, mais enfin on sait pas trop comment, il avait tué quelqu'un. Il avait tué une femme nommée Gwendoline et puis il se souvenait plus comment, mais il savait juste que le couteau avait été retrouvé dans sa main. Et donc Keisinger avait disparu à ce moment-là. Donc visiblement, bah, il est revenu. Et j'ai l'impression qu'on vient de recroiser Lisbeth. La chance. Je crois vraiment qu'on vient de recroiser Lisbeth. Je crois que le truc blanc c'était elle. Le cri perçant. Elle n'était pas fermée cette porte tout à l'heure, je crois. Et donc, bah, vous. Où est-il? Il est passé où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le voilà. On va passer en antévision, il y a peut-être un truc à observer. Et bah en tout cas, s'il y a quelque chose à observer, je vois pas quoi. D'accord. T'aurais pas pu le reposer en bas? Je rêve. Je fais comment, moi? Je veux le bouquin. Bon. Mais il n'y a pas une échelle, quelque chose? Bon, bah, on va essayer un truc, hein. Top. Ah, j'ai cru que je m'étais coincé dans le mur. Bon, raté, donc on va encore essayer autre chose, hein, après tout. C'était ça. D'accord, fallait tirer sur le bouquin. Ouais. Bon. On va pas discuter sur le fait que le bouquin reste intact après après le fait qu'on lui ait tiré dessus, mais bon, un peu irréaliste. Donc, note de la porte de la lune. Des feuilles rougeâtres tourbillonnent dans le vent comme des âmes perdues en quête de repos. À l'instar d'un cahier de croquis ouvert sur mes rêves, cette heure représente à jamais un crépuscule à note automnale réconfortant. Sous un ciel doré, le paysage est parsemé de rivières chuchotantes, de marécages bouillonnants et de feuillages bourgeonnants. L'ensemble rappelle l'œuvre d'un peintre romantique. Mais dans le décor pittoresque de cet interminable crépuscule automnal, j'ai perçu une fausse note et je pressens un destin funeste. Les racines des épineux s'enfoncent profondément dans la terre, l'asséchant de tous ses bienfaits. Les broussailles regorgent de carcasses d'animaux, la terre avale leurs restes putrides. Ça devient vachement gai, dites donc. Autant le premier paragraphe était bien, mais alors lui, waouh, sympa. Des parcelles de cette région malveillante s'associent à des rapaces vicieux et impies, tandis que l'herbe recouvre cette terre en te torsadant telles les veines d'un tendon qui bat, comme si le sol était vivant, avide des habitants qui paradent sur son dos. Des yeux sournois, noirs et sans âme, transpercent l'air. De minuscules chauves-souris au vif battement d'ailes traversent le ciel éclatant telles des taches d'encre de Chine sur du papier jauni. De petits rasoirs volants attendant le moment propice pour descendre en flèche vers le sol. Lorsqu'elles s'abattent, je vois leurs dents pointues et ensanglantées ainsi que leur sourire démoniaque. Lorsqu'elles se précipitent vers le sol, j'entends un sifflement. J'entends un sifflement menaçant qui me glace l'âme s'élever de leur masse indistincte. Ici, le ciel leur appartient. C'est une véritable armée encapuchonnée, sans cœur et sans âme qui patrouille sur cette terre. Ces créatures utilisent leurs mâchoires et leurs griffes comme armes et s'agglutinent tels des édredons bon marché pour dépecer les cadavres fétides. Elles se rassemblent et vivent comme des meutes de loups enragés, provoquant des combats pour établir une suprématie entre les clans. Ces immondes créatures ne se languissent de me voir disparaître. Elles sont généralement rassemblées autour des sentiers qui mènent au sommet des falaises, mais il arrive que des groupes se cachent près des mares et dans les troncs creux. Plus bas sur les sentiers, on dirait que les ombres avalent les environs sans aucune logique et sans le moindre sens. C'est comme si l'obscurité elle-même était la seule raison d'être de tout cela. Une royauté qui dirige un vide obscur enseveli dans la nuit infinie. C'est elle la maîtresse éternelle des ombres, Aaron. Donc on connaît le nom de deux des frères de Jérémia. Kikou. Donc Lisbeth, qui est sans doute le loup-garou, enfin même sûrement le loup-garou, et donc Aaron qui est qui à mon avis est le fantôme. J'aurais dû recharger, enfin j'aurais dû vider mon chargeur. Et donc Aaron qui est sûrement le fantôme roux, sinon il n'y a pas de raison qu'on l'ait vu. Il n'y a pas de raison qu'on l'ait vu toucher au livre. Si le livre a été écrit par lui. La salle des tableaux. La vérité est là. L'image devient réalité. Il reviendra. Le rituel subsiste dans notre sang. Donc la vérité est là, donc on va utiliser l'antévision pour... on va utiliser l'antévision puisque la vérité est là. C'est bon, j'ai compris. Et donc, nous voyons que comme vous l'avez sûrement... Et donc, voilà, donc c'est... Vous connaissez sûrement le plan que j'ai utilisé pour le tableau que j'ai utilisé pour faire mon arrière-plan. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. J'ai un peu hésité au début pour celui de Jérémia parce que C'est vrai que c'est un petit spoil quand même. Enfin un petit spoil, je sais pas, j'ai jamais fini le jeu, ça se trouve on va trouver moyen de le sauver. Mais c'est vrai que comme ça c'est un... c'est un assez mauvais présage on va dire. Voilà, on va utiliser ce mot-ci, on va dire c'est quand même un mauvais présage pour notre ami Jeremiah. Et puis donc je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Et donc, hop, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Et donc aussi pour vous dire que oui je vais finir cette semaine, donc vous n'aurez pas d'épisode d'Alan Wake, mais vous aurez un épisode sur un jeu que je ne connais pas. Je ne connais pas, j'en ai entendu parler sur le net, il a fait un gros buzz. Personnellement, je m'attends à que ce soit juste ça, justement, un buzz. Mais bon, donc cette semaine, pas de let's play sur Alan Wake, mais un let's play sur ce petit jeu, et puis j'en profiterai pour faire quelques annonces. Donc allez, à la prochaine!